Bonsoir tout le monde. Yon plaisir yon l'autre fois encore pour nous ensemble. Merci de ce que vous choisissez VOA Créole pour informer. Aujourd'hui, c'est mardi 1er octobre 2024. C'est deuxième sortie nous pour semaine. Premier sortie nous pour mois d'octobre. Nous pensons que Jacqueline Belizère, quelqu'un grand point, qui a dominé l'actualité. Actualité internationale, Iran lance une attaque massive avec missiles sur la ville Jérusalem en Israël. Déjà gain en pile réaction, notamment Washington. Actualité électorale aux États-Unis, premier débat entre deux candidats pour vice-président, démocrate Tim Walz et républicain J.D. Vance, l'a déroulé à Soya dans New York sous chaîne télévision CBS. États-Unis, opération secours dans plusieurs côtés après passage cyclone Helene qui prend la vie plus passé 130 chrétiens vivants. Et puis en Haïti, plusieurs réactions après renouvellement mandat mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti, MMAS. Mesdames, Messieurs, bonsoir yon l'autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité à gros nouvelles là. C'est attaque ak missile Iran lancé contre sous ville Jérusalem dans le pays Israël. Déjà, gen en pile réaction parmi yon réaction qui sorti Washington ak réaction qui sorti dans la Maison Blanche, dans le département d'État, dans le Pentagone, en parlant de département défense là. Nous gen gentil Augustin Junior qui gen détail. Nouvelle yo rapporté, Iran lance yon attaque ak plis passe 200 missiles balistiques sous Israël jodi mardi 1er octobre 2024 la. D'après garde révolutionnaire yo, attaque missile Iran sous Israël, c'est yon réponse ak assassinat leader Hamas yo ak leader Hezbollah yo. L'ité di nan yon note pour la presse d'après AFP. En réponse ak la mort Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah ak Abbas Nilforoufchan, chef adjoint Gadio, nous te visé 100 territoires Israël occupé yo. Garde révolutionnaire yo, idéologie l'armée Iran menace tout. Yon attaque écrasant si Israël répond attaque missile yo. Yon officiel américain qui pas d'accord non licité te déjà averti conséquence grave attaque Iran sa ka genyen et li te dit États-Unis si porte activement préparation qui visait pour défendre Israël. Nan yon texte sur Waters, président américain Joe Biden dit les États-Unis paré pour aider Israël défendre tête li contre attaque missile iranien yo. Biden écrit sur réseau social X, nous te discuté sous façon États-Unis préparé pour aider Israël défendre tête li contre attaque sa yo et puis protéger personnel américain dans région an. Alors que l'armée Israël l'a annoncé jeudi mardi à tout, troupes cap opérer sous terrain yo traverser frontière ya pour combattre Hezbollah dans Tibouk yo dans sud Liban. Malgré appel international yo pour la guerre ya pas élargi dans région an. Porte-parole l'armée Israël, Daniel Agari dit, l'armée Israël paré pour défendre et attaquer. Iranien dans Téhéran balancé drapeau libanais pendant y'a célébré attaque missile Iran sous Israël. L'armée israélienne yon fait konnen, li bay lumière verte et li déclaré Israélien yo libre pour yo quitter abri yo. Porte-parole militaire Israël là, Daniel Agari dit, militaire yo pas au courant gagné blessé dans attaque missile iranien yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Nous parlons qu'on y a dans New York. New York a recevoir premier débat entre deux candidats pour vice-président, démocrate Tim Walz et républicain J.D. Vance. Eh bien, l'a déroulé à soir dans New York sous chaîne télévision CBS. Nous gagnons sous place dans New York Valério Saint-Louis. Valério, qui sont ouais, qui sont attendez, qui j'en ambiance là? Bonsoir Jacqueline, en effet, et qui veut accueillir dans New York, là nous campons justement devant studio Channel Télévision, ça qui est le CBS News, côté que c'est là que débat vice-président pour le fait. Eh bien, ambiance là, c'est une ambiance presque préélectorale, ou ambiance côté que à ma droite, et sous votre droite, moi là, au Pataka, ouais ça, eh bien, il y a un pile de monde qui commence à se réunir, il y a un bus à 20 qui fait la navette, fait va et vient déposer moun, et sous votre droite, nous avons des monde qui ont maillot bleu sous eux, donc c'est monde qui est évidemment partisan et démocrate. Sous votre gauche, même, il y a deux trois monde qui commence
ça réunit tout, puisque c'est un petit peu ambiance en ça, côté que deux parties, y a manifesté, y viennent avec pancarte dans main pour supporter et campagne. N'a pas rappelé encore une fois jeudi à ces débats vice-présidentiels là qui a proposé eh ben sénateur état Ohio qui dit même c'est JD Vance qui évidemment républicain face à face qu'a fait face à gouverneur état Minnesota, lui même c'est Tim Walz qui républicain. Qui démocrate. Donc nous connaissons que c'est ambiance ça, démocrate, républicain, et c'est un débat vice-présidentiel. Donc pour nous, peut-être des coups plus ambiance ça, c'est monde qui a fait va-et-vient, pancarte dans mais maillot sous yo, il y a venu supporter candidat pa yo, parti pa yo. Faut nous dire que c'est premier et c'est seul débat entre deux vice-présidents. Alors ça qui eux même nominé pour vice-président dans la campagne ça, qu'a fait jeudi à dans la cour New York, une ambiance qui vraiment n'a pas dit encore, son ambiance préélectorale. De temps en temps nous une machine qui a passé qui a klaxonné, bus, gros autobus même qui a déposé moun a rassemblé dans moment là devant là, et ben nous des moun qui déjà campé, ils sont il y a pas filmé, il y a fait photo, il y a pe brandi pancarte pour faire valoir position par yo pour parti qui a supporté à Jacqueline. Valérie, brièvement, qui genre couverture médiatique là Eliane? Couverture médiatique là, nous a dit que médias sont très présents. En face, moi, nous dit plutôt, gain une quantité médias qui établit tête. Yo mettez tantio et yo gain sur caméra. Évidemment, yo font mini studio déjà établi. Nous-mêmes, nous campé en face et studio CBS News là, derrière dans ces building là. Mais à côté et peut-être même nous a dit des caméras, justement caméras, mon gars, tu ensemble avec moi. Nous presque by face à station télévision qui ont même campé et nous a déjà ont quand même 8 à 9 stations télévision studio mobile qui établi en dedans CBS News tout font nous dire gagne des reporters qui ont même tout à regarder à faire reportage. Donc média très présent, gagne différents monde qui a fait et reportage qui a fait va et vient parler ensemble avec monde, nous même tout nous parler avec deux trois monde qui y a fait connait pour qui est qui est venu supporter là dans moment. Donc média très présent Jacqueline aujourd'hui. Et Valérie, pour nous finir brièvement, dis-nous qui genre et principe débat et à soi, qui Jean, qui le monde a la parole, qui Jean l'a fait. Est-ce que c'est même genre avec dernier débat qui t'est fait entre candidat à la présidentielle? À peu près même genre, mais débat vice-présidentiel, il y a peut-être des particularités. Il faut nous dire que son débat qui a commencé à soir à 9h du soir sur Channel Télévision CBS News. Et son débat qui a duré 90 minutes. Chaque candidat vice-président, lui-même, il y a bien 2 minutes pour répondre aux questions qu'il a posées. Il y a bien 1 minute si vous voulez rebondir, c'est-à-dire si vous voulez réagir à un bail qui n'est pas d'accord. Et il faut nous dire que ça qui est intéressant dans le débat, ça, à soir, c'est modérateur, ou plutôt, on nous dit modératrice, c'est deux femmes qui ont modéré le débat, ça. Il faut qu'on ait que c'est Nara O'Donnell qui lui-même c'est présentatrice émission CBS Evening News avec Margaret Brennan qui lui-même c'est présentatrice émission CKV Face the Nation. Deux femmes à modérer débat. Au débat, on n'a pas plus encore côté que candidat vice-président, il n'y a pas de droit à venir avec ni téléphone dans main, ni note dans main, pour être capable de faire débat ça. Donc, un débat très intéressant. Et puis, rapidement, il faut me dire que les gens qui ont un pariage là pour être capable de parler en deuxième, c'est-à-dire au dernier moment dans le débat ça, eh bien, c'est JD Vance qui dit même à parler cap gain pour faire dernier la parole dans le débat ça à soir là. Merci Valérie Saint-Louis. Valérie Saint-Louis, c'est envoyé spécial VOA Creole dans occasion débat historique ça n'a gain pour nous quitter Washington et n'a rejoindre et Jean-Robert Philippe lui-même qui gagne en pile monde cap essayer Jean-Robert prévoit Jean débat ça pour le dérouler à soir et surtout après attaque Iran sur fait là sur Israël. Qui sont gagnés ou même comme grand thème pour débat à soi à Jean-Aubert? Effectivement, Jacqueline Jondiab, c'est très probable que dans la préparation candidat qu'on a fait pour unir débat ça, il n'y a pas de prévoir là dans l'attaque Iran. Et Iran t'a pas attaqué Israël. Donc très certainement, modérateur obligé de faire une révision rapidement sur la question que vous avez proposée. Et très certainement, la question ça va prendre la donne parce que il est important pour deux candidats tout pour bail position eux-mêmes si soit l'administration va on va qu'on s'en fait qui gens eux-mêmes a réagi. Et n'a pas du tout Jacques son débat qui est aussi important, c'est une chance que deux candidats ont gagné, mais il est important tout ça dépend de performance chaque candidat et qui est capable aider, convaincre électeurs indécis, aussi tu dans l'état indécis, il y a environ 7, et bien, aider l'état Sayo, aider l'électeur Sayo, prendre une bonne décision, mais tout dépend de comment l'électeur Sayo, comment que et candidat Sayo pour poste vice-président, et bien, performance dans le débat à soi, qui est aussi important ni pour démocrates, ni pour républicains.
Tim Walz avec J.D. Vance a participé dans seul grand débat pour poste vice-président élection 5 novembre. Vance, un sénateur de l'État, s'est collisté Donald Trump pour parti républicain. C'est une opportunité pour moi de dire aux Américains comment je pense que les Américains capables de faire leur vie meilleure, façon nous capables de rendre la vie meilleure, à façon politique Donald Trump là capable faire plus riche pour capable gagner plus la paix dans le monde là, sécuriser frontières sud États-Unis partagé avec Mexique et pour capable remporter l'élection. Tim Walz, beaucoup de parle, gouverneur d'État Minnesota, colistier Kamala Harris déclaré, démocratie a marché à classe travail américain, contrairement avec rival républicain. Même j'ai avec population normale là, moins grandi dans son pays. J.D. Vance étudié dans Yale University, c'est milliardaire Silicon Valley qui finançait carrière avant d'être écrit un livre qui jetait dans Fatra et communauté ça. C'est par contre ça, classe moyenne qu'on fonctionne. Moi, doué dit non, moi, pas capable de temps pour me faire débat avec Yval Moyen. Vince s'est critiqué Trump une fois avant ancien président et endossé pour poste sénateur État Ohio. Depuis le ça, Vince supportait approche ou bien slogan Trump les États-Unis d'abord. Je dis à ennemi New York, à pile démocrate et les non-populistes, tant que c'est une insulte. Mais si populiste vous l'avez dit, vous mettez au même côté avec peuple là, au lieu élite puissant, yo cap éliminer classement et non, et puis la gaine nan yon guerre stupide, eh bien, si c'est comme ça, mettez bon côté peuple là. Candidat pour poste vice-président parti démocrate là, Tim Walz déclaré, Vance avec Trump vous l'avez dit, céder leadership États-Unis. Les républicains habitués à parler de liberté, en plus parmi eux connaît de qui ça a parlé, yo pas ta parler pour abandonner Ali New York, yo pas ta parler pour la guerre Ukraine pour contre lui. Au président du parti républicain, J.D. Vance déclaré Harris a troqué travail américain en faveur immigrants illégaux. Sa Kamala Harris semble le faire, c'est offrir tout bénéfice citoyen américain au bas monde qui pas ta dû même ici là. Débat entre candidat pour poste vice-président Parti démocrate là Tim Walz avec représentant Parti républicain J.D. Vance a bay électeurs yon idée sous façon yo maîtriser sujet important dans l'élection 5 novembre nan. Pendant ce temps, électeurs dans quelques états déjà commencé jeter bulletin. Effectivement, Jacqueline, j'entendais ah, donc débat suscite un pile intérêt et candidat a unique chance de gagner pour convaincre non seulement et supporter parti par eux, mais tout candidat et électeur qui indécis peut capable voter pour une ou bien pour l'autre, là, Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, t'es ouais avec nous grand point dans débat à Soya, VOA Créole à ou président démocrate Tim Walz ak républicain J.D. Vance. Rendez-vous 9h, le Washington, le Port-au-Prince, pour une traduction en créole sous VOA Créole. Donc, on va suivre rendez-vous, un programme qui passe chaque jour, sauf lundi pour arriver vendredi. Moi, c'est Jacqueline Bélisère. On est toujours sous la voie de l'Amérique, ici aux États-Unis toujours, opération secours dans plusieurs côtés après passage cyclone Helene qui prend la vie plus passé 130 chrétiens vivants. Question ça a retenu attention politiciens autour. Marie-Luce Pierre. Vice-président américain et candidat présidentiel démocratique Kamala Harris coupé un voyage campagne qui était pour le faire dans Nevada lundi 30 septembre pour le participer à une conférence à Washington. Sous effort réponse pour cyclone Helene. Moi, j'ai planifié yo doué sous terre plus vite que possible. Mais plus vite que possible, sans yo pas déranger n'importe opération réponse pour urgence. Parce que ça doué plus gros priorité à premier lot business ici là. Helene était responsable en mort plus passé 100 moun dans Caroline du Nord, Caroline du Sud, Georgia, Floride, Tennessee, Virginia, pendant que plusieurs millions moun a fait face à panne courant électrique et en pile route détruit. Conséquence cyclone Helene t'est interrompu tout, campagne rivale présidentielle là, Donald Trump, qui était visité une ville qui était frappée en bas tempête, dans l'état Georgia, champ de bataille là. Caroline du Nord et Georgia, trouvaient au parmi un petit point état, qui pourrait décider course Maison Blanche là, entre Harris et Trump. Donald Trump déclaré, un monde qui était péri, nous n'a la peine ensemble à coup, et puis nous n'a la peine pour chaque la vie monde qui perdu tragiquement. Candidat républicain à la présidence, Donald Trump te dit, lundi 30 septembre, il était parlé avec billionnaire Elon Musk pour joindre accès Internet Starlink dans une zone qui est affectée en bas cyclone Helene, qui était fait ravage dans le sud-est États-Unis,
cyclone qui détruit plus passé 100 monde à travers 6 états. Plusieurs centaines de monde toujours été disparaître dans l'ouest état et puis résidents yo a plutté dans mitan route qui inondé ak manque service de base yo. Plus passé 100 calamores mort à travers une demi-douzaine états yo été attribué à gros tempête là qui était frappé dans région Big Bend dans l'état Floride bien tard dans jeudi 26 septembre là avant yo couper un chemin destructif dans Georgia ak nan Caroline. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Et oui, on sou VOA Créole, on a pu mettre depuis Washington DC. Nous content est-ce que ou même ou toujours été branché. N'ap tourné nan VOA Créole a pu mettre depuis Washington DC actualité en Haïti, conseil présidentiel transition en difficulté à la veille expiration mandat Edgar Leblanc fils 7 octobre cabine là. Conseiller Smith Augustin qui t'a dû remplacer monsieur Leblanc mêlé dans un scandale corruption dans BNC. Détail avec Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Gros vent division a soufflé dans conseil présidentiel transition dans l'approche dans occasion expiration mandat Edgar Leblanc fils dans cadre président sonnant là. N'a souligné selon document qui était paraffé bon côté divers partis qui étaient accouché conseil présidentiel là, c'est conseiller Smith Augustin qui impliqué dans scandale corruption BNC qui t'a dû remplacer Edgar Leblanc fils 7 octobre qui a venu là. Malgré scandale corruption, Smith Augustin pas décidé faire bac dans cadre démarche pour venir présider conseil présidentiel transition. A yel indien, Smith Augustin rencontré parti qui te voyel dans conseil présidentiel transition dans l'idée pour déterminer suite événement yo. Conseil présidentiel transition doit faire face à divers défis tant coup installation même conseil électoral provisoire, phénomène insécurité sans compter nomination nouveau directeur général yo. Pourtant bataille pour pouvoir qui existait nan mitan présidence conseil là semblait à retarder décision sa yo qui pourtant urgent. Selon information VOA Créole joine bon côté yo membre conseil présidentiel là, gagnent plusieurs scénarios qui à l'étude dans cadre démarche pour ta remplacer Edgar Leblanc dans tête institution ça. Scénario qui plus possible, c'est à ouais Leslie Voltaire prend présidence là dans place Smith Augustin en attendant rapport ULCC sur scandale corruption BNC qui impliquait trois conseillers présidentiels. N'a souligné pendant journée lundi an gagnen yon conseil ministre qui organisé nan objectif pour prendre une série décision. C'était l'occasion pour membre conseil présidentiel là exiger ak ministre affaires étrangères pour convoquer dans pays à tout suite ambassadeur haïtien qui accrédité dans l'ONU à Washington pour venir expliquer yo sur ça les confusions qui lié à participation membre CPTA dans 79e assemblée générale des Nations Unies. Membre CPTA reproché à ministre affaires étrangères le fait que li boycotté participation président conseil présidentiel là dans 79e assemblée générale l'ONU en faveur premier ministre Garry Conille. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves. Réaction continue de tomber après renouvellement hier lundi à mandat force multinationale pour soutien sécurité à notre pays d'Haïti pour jusqu'à 2 octobre 2025. Renan Toussaint, c'est correspondant dans Port-au-Prince. Dossier qui a rapport avec prolongation mandat mission multinationale soutien à sécurité en Haïti pour jusqu'à 2 octobre 2025 continue à soulever réaction dans mitan certaines personnalités importantes dans la société haïtienne. Parmi eux, ancien premier ministre Evans Paul, qui dit force étrangère, yo, pas jamais résoudre le problème et sécurité à tout bon vrai. Ils sont fatigués avec nous sur le plan international. Pas oublier que nous avons une force onusienne, je dis à nous avons une force non onusienne, autorisée par les Nations Unies. Pour nous bien comprendre ça, ça veut dire les Nations Unies ne pas payer pour force qu'il a. Il n'est pas responsable, mais il est autorisé pour ne pas dire son force qui font invasion sur Haïti. Ça, c'est le jeu diplomatique. Mais force qu'il a, il n'est pas sous compte Nations Unies. Et nous passons bonne force. Il est clair que c'est nous responsables malheureux.
mais force surtout pas aider nous ranger situation. Yon ancien ministre de la Défense nationale qui c'est tout ancien président Sénat haïtien Rudolf Joasil croit c'est l'armée d'Haïti avec la police qui pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Mais résolution problème sécurité dans le pays li passé par yon police nationale qui équipée, yon police nationale qui motivée. Yon l'armée que nous gagnons actuellement là, nous avons un effectif dans l'armée là, et nous avons des équipements dans l'armée là, qui sont capables de permettre que si on engage les forces armées d'Haïti, si on engage la police nationale, pas vrai, pour combattre Gangyo, parce que le résultat nous n'est pas plus loin pour nous trouver. Naturellement, les forces étrangères qui sont sur place, nous avons toujours besoin. Et support, on a toujours besoin d'expertise, mais le problème est d'abord un problème haïtien. Il faut que le gouvernement mette tout en œuvre pour qu'il permette la police nationale et les forces armées d'Haïti qui seront de toute façon au devant de la scène, arriver à rétablir la sécurité en Haïti. Personnalité ça, yo t'es parlé avec nous dans le forum environ une centaine de structures politiques qui regroupent tête en bas chapeau coalition regroupement politique pour avancement démocratie, parti émergent et allié organisé sous refondation l'État. N'a pas venir avec plus de détails sous démarche ça. Wenan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Wenan Toussaint. Tweet président pays Kenya William Ruto t'est fait sous compte X pour te saluer engagement gouvernement dominicain en support ak MMAS là continue à créer confusion ak protestation nan pays a. En suivant. Sous l'obédience opposition plurielle là, plusieurs citoyens qui mal interprété tout cela manifestaient dans la rue Port-au-Prince pour dire non à déploiement soldats dominicains sur territoire national là. Nous disons non, Dominique n'est pas pour le sol, papa de Saline. Haïti, son pays qui libre. Et je presse match, dédié indépendance à Manoïs Papi. Pour dire, bataille qu'a fait dans l'opposition plurielle là, nous engager, le pays a gagné pour dire, vis sous pouvoir là, c'est pas rien que Dieu. L'idée de vous c'est l'insécurité là, c'est priorité. Je dis à peuple là, abdomen dans la rue, peuple là. Dans une interview li bay yo media nan capital la, ministre affaires étrangères Dominique Dupuy qui fait lumière sur tweet président pays Kenya, fait qu'on ait accord qui signé entre Kenya et République Dominicaine nan. C'est seulement dans cas évacuation en urgence soldat Kenya yo pour si yo ta besoin soins médicaux. Yon démarche précisé qui pagé rien pour ak déploiement soldat dominicain sous territoire de Saline là. VOA Creole Port-au-Prince. Nous remercions ou même qui branché pour suivre édition rendez-vous ça. Merci d'esco à continuer faire ça donc restez branché. Sous VOA Creole dans rubrique santé a nous pral wè yon système qui est des moun qui gen problème vision garder sport Marie Pierre. Nan moment jouet paralympique yo sot déroulé ané sa côté nan compétition on jou sa plusieurs milliers athlètes té nan compétition pour 22 sports différents en pile moun t'ap gade nan stade la parmi yo gen moun ki té gen problème visuel moun sa yo té ka servi ak yon casque gros technologie pour permettre yo jouer action hein, tant que yo moun ki wè bien. Appareil sa ki rele Deep Vision que la Grande-Bretagne développé, c'est yon casque qui fait pour permettre moun ki gen problème visuel yo suivre événement yo, manipuler image yo, wè yo, adapter à besoin individuel yo, que yo vive devant yo au soir à travers couverture télévision. Casque haute technologie ça, yo t'ai déjà utilisé pour l'autre événement sportif qui gen la donne Jeux Olympiques 2024, yo, par exemple. Mais c'est la première fois que utilisé pour Jeux Paralympiques. Joanna Lindington, chef opération yo dans Give Vision, qui dit à l'agence Nouvelle Reuters, moun qui servi à écouteur a vraiment râlé sous ça yo vle wè. Yo ka manipuler image là
pour adapter yo. Gagner tout yon deuxième environnement côté nous connecter à caméra télévision locale yo. Dans yon événement, et ça veut dire que moun qui servit à casque là, joigne pied en temps réel sur ça qui a passé devant yo. Appareil a stimulé cellules photorécepteurs dans le jeu pour permettre moun qui a un problème géo, faire une expérience visuelle qui améliore et puis garder l'événement en temps réel d'après compagnie. Ça t'est juste belle. Moi vraiment t'ai remé ouais cour yo et moi t'ai vraiment remé ouais qui gens moi t'ai juste supporté tout pays yo avec belle bagaille yo ouais que moi ka ouais figure yo très clair et oui moi t'ai très impliqué dans le groupe là. Je pouvais suivre les scores sur les tableaux, je pouvais suivre les actions, je pouvais applaudir parce que je comprenais ce qui se passait et j'avais pas besoin effectivement de solliciter quelqu'un à côté de moi pour me dire ben voilà, il se passe ça, il se passe ça. Compagnie qui pas là pour faire bénéfice là, des dimensions là, c'est pour établir un nouveau standard accès pour sport et amusement pour un pays général et puis accessible pour monde qui a pas de vision. Le yo craser barrière yo et puis améliorer indépendance yo. C'est là nous mettez fin dans programme non pas oublié à 9h tapant pour traduction en créole débat à soir. Bonsoir tout le monde. Pays. Jeudi hein, pas oublié. M'a dit qui c'est 1er octobre 2024 là. Lycée rentré officiel année académique 2024-2025 là. OK. Jeudi hein, est-ce que toute l'école est ouverte sur tout territoire national pays d'Haïti? Je pose une grande question. Et je vais vous donner une réponse. Li. OK? OK? Nous avons posé chaque grain moun qui a regardé l'émission ça dans un moment qui en Haïti ou bien à l'étranger puis yo t'a dit que est-ce que toute l'école yo l'ouvrit sur tout pays? Moi m'a dit non. Est-ce que autorité yo rivé retirer déplacer forcé yo dans l'école nationale ak lycée et puis quelques collèges l'école privée? M'a dit non. Et surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Est-ce que l'école l'ouvre dans Liancourt, dans Thirivière? Non. Est-ce que l'école l'ouvre dans Peigne et Torcel? Si gen l'école dans zone ça que me croit gagner, m'a dit non. Est-ce que l'école l'ouvre dans Crécier? M'a dit non. Est-ce que lycée Daniel Fignolé dans Badema l'ouvre? M'a dit non. Est-ce que lycée Pétion dans local habituel l'ouvre? Non. Est-ce que lycée Toussaint dans local habituel l'ouvre? M'a dit non. M'a dit que si moun sa pa l'école comme si l'état pas fait de l'autre moyen de l'autre stratégie pour le faire à l'école non dans l'autre espace non. Mais m'a dit est-ce que espace habituel que si moun sa yo ta doué à l'école pour année académique 2024-2025 là, est-ce que li l'ouvri? Moi-même moi dit non et non et non. Mais il pas étonné. Il pas étonné. Il pas étonné en pile dans zami k'ap gade nou la yo.
quel que soit en Haïti ou dis moins à l'étranger. Il va étonner nous. Raison le simple. Parce que depuis les que bandits armés, criminels, nos trois vivent ensemble, nèg yo te décidé déclencher véritable mouvement ça que yo te baptisé la révolution contre système non, nous te déjà connait que comment que ensemble de moun que bandi yo force yo quitter la caillou ça pas getan mouri, ça pas getan boulé, ça pas getan violé, bandi yo force yo quitter la caillou et yal prend refuge soit dans de l'école nationale ou dis-moi ce que dans de lycée dans région métropolitaine Port-au-Prince pays d'Haïti. Est-ce que situation ça pour ne pas nous mentir, est-ce que équipe conseil présidentiel yo mettez avec gouvernement qu'on y a dirigé hein, vini avec nouveau DG Ramon Amil, mettez avec Derby Guerrier qui les mêmes sèche ou Andy et commandant l'armée d'Haïti hein, mettez avec mission avec Cap Vini par contre goutte là, est-ce que nous t'es capable de dire que yo t'ap getan résoudre ça dans un clin d'œil comme si getan repousser bandi yo faire la vie reprendre faire mon la caillou faire moi-même pour m'pa tête moi menti m'a dit non yo pas ta capable getan faire tout ça yo non, en période, on dit de 25 avril à juin jeudi. M'a dit non. Mais kounya, est-ce que parce que vous pas fait là, ou dit, mais est-ce que parce que vous pas getan fait là, est-ce que nous obligé à excuser pour yo? Est-ce que nous obligé à supporter pour yo? Est-ce que nous pas obligé à mettre pression sur yo? Pour que yo capable permettre que si là yo que bandi fait quitter la caillou il prend refuge dans un ensemble de espace qui pas préparé pour ça, est-ce que dans moment li pa yon obligation pour que autorité qui là yo qu'elle continue mettre pression sur yo pour yo rive établi sécurité pour yo rive établi la paix et permettre que quel que soit Jacques Lien pour nous capable retourner la caillou, la caillou disons. OK? Et je dis hein, ça me l'est que OK? Ça me l'est que moun yo gade. Semble que moun yo comprenne, c'est que c'est essayer analyser, essayer questionner pour est-ce que gen volonté vraiment la kay autorité nou yo. D'ailleurs, en 2023, si m'a trompé, équipe Ariel Henry et Nesmi Maniga comme ministre éducation à l'époque là, c'était dans le département grand de ce pays hein, que vous avez fait le lancement officiel en académique 2023 et 2024. Là. Et nous songez et nous rappelons comment que, et ça qui est arrivé, ça qui est arrivé dans le moment. Parce que dans la période, le département grand de ce pays était vraiment mouvementé. Département grand de ce pays, l'était vraiment bouleversé dans période là, dans moment. OK? Département Grandans était vraiment bouleversé, département Grandans était vraiment mouvementé, ça veut dire que nous te connait toute histoire là. Parce que nèg yo te fui le département de l'Ouest, il était à faire dans Grandans. Et même année académique 2024-2025 ça encore. Nèg yo, alors autorité dans l'état pour me dire comme ça. Yo fui département l'ouest encore, yal fèl nan département sud pays d'Haïti.
Parce que moment n'a parlé là pour m'a dit 1er octobre 2024 là qui c'est ouverture officielle année académique 2024-2025 là. Eh bien, le conseiller présidentiel, président conseil là, Edgar Leblanc fils, mettez avec conseiller observateur dans conseil là, Frinel Joseph, et moi certain qui accompagne avec ministre éducation nationale là, yo règne dans le sud. Pendant ce temps, PM Gary Koni n'a prendre que l'al fourniche gade dans premier jour de classe là, élève lycée jeune fille. Mon lycée du 150e que en plus monde connaît sous nom lycée des jeunes filles. Eh bien, l'al visite yo, l'al gade comment ça y est. Mon quoi c'est ou des dalles si m'a trompé. Je mets des dalles mais ou des dalles. Zone avenue Christophe. Alors que moi connais local ministre, alors local lycée du 150e qu'on appelle lycée des jeunes filles. Qui était écrasé dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Mais il était essayé de mettre comme si mettait en garde, mettait abri provisoire pour élève. Mais nous connaissons clairement. Dans le courrier de mon cap, alors, bandit cap courrier de mon cap feuille, bandit cap courrier de mon l'autre côté qui dans la zone pas peu de choses, non? Mais mon sa yo, il était obligé à prendre refuge. Parmi toute l'école nationale et lycée, il était à prendre refuge, il était à prendre en dedans espace lycée des jeunes filles. Qui, dans le cas, pour bien dire, vrai espace, vrai local. Là. Et dès lors, depuis zone juillet, ou dis mois d'août 2023, okay? Jusqu'à date, jusqu'à journée aujourd'hui, là, mon yo, c'est en dedans espace ça qui est trouvé. Depuis mois de juillet, depuis mois d'août, c'est dans l'espace lycée des jeunes filles, lycée Marie-Jeanne et l'école encore, l'école nationale avec lycée, que yo trouvé déplacé, forcé, internio, yo trouvé yo. OK? Déplacé internio dans région métropolitaine Port-au-Prince là yo trouvé yo. OK? Et je dis hein semble que nous comprenne. Semble que nous garder. Moi même moi toujours dis ça. OK? OK? Même de je dis ça que est-ce que n'a consigné garder que autorité n'a pas passé dans bêtise nous avons plusieurs années là nous avons plusieurs années là que l'école là en académique yo yo pas jamais fait au grand complet toujours gen une portion ti moun dans telle zone qui pourrait aller ou dis moi est-ce que par rapport avec telle situation tel côté tel ti moun pas ka aller et ça faut ka wè sou nestimaniga li té vini avec slogan l'école ti pati pa. T'es comme bagay ti pati pa parce que c'était pas contre goutte l'école à table ouvri 2022 2023 c'était pas contre goutte l'école dans table ouvri et année encore on me dit c'est parce que même réalité hein et parce que même réalité hein pas gagne changer pas gagne rien changer dans question alors question ouverture officielle année académique 2024-2025. Je dis, hein, qui semble que nous comprenne? Je dis, hein, qui semble que nous garder et nous questionner ensemble avec moi?
c'est ouais, est-ce que j'ai volonté? Est-ce que j'ai volonté réelle vraiment pour que pays sacré les Haïtiens, pays sacré les Haïtiens, pour les sortir dans sa là. D'ailleurs, je dis ça et tout le monde comme ça. Ok. 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 Pays sacré les Haïtiens. Je dis qu'on connaît très bien. Toute société, tout pays qui développe à travers le monde. Ok. Éducation, lycée motel. Ok. Éducation, c'est motel. Mon quoi, le qui d'oubite du bagay. Education is the key. Éducation, c'est la clé. Éducation, c'est clé. Développement, d'abord, développement humain, développement personnel, à vous-même. Et c'est clé tout pour bâtir, pour construire un pays. Yeah. Pour bâtir, pour construire un pays. Éducation, c'est clé. Éducation, c'est clé. Je dis, hein, si nous primons, ça n'est l'éducation. Nous primons savoir. Nous primons connaissance. Nous primons recherche. Nous mettons de laboratoire. Gain de scientifiques dans différents domaines qui a produit des réflexions durables. Parce que je dis, hein, le monde parle de la question développement durable, objectif développement durable, ODD. Et l'on parle de développement durable, c'est changement qui a fait dans tout domaine pour génération qui présente qui vivent lien. Et sans qu'elle pas et compromettre génération qui va venir. Mais en Haïti, vraiment pas qu'on a qui génération nous. Parce que misère, souffrance, calamité, tout ensemble problème ça yo, nous mélanger. Avenir pays a pas gain espoir de lui-même parce que à 60-70% jeunesse pays dans misère, dans grand goût, dans bamboche, dans plaisir, dans kebizam, dans alcool, dans drogue, tout bagaille. Alors que c'est jeunesse yo, c'est jeunesse là qui va venir remplacer moun ki la vieillesse yo. Et ti moun k'ap vini yo qui c'est espoir demain et li k'ap ki pou remplacer ni jeunesse là qui gè pou ki te fait place à lui-même de suite ensuite de génération en génération. OK. De génération en génération. Alors ce que je dis, hein, les que nous gardons, les que nous observons, les que nous fournissons, gardez bien pour nous gens que pays s'abraler. Pour nous, j'ai que pays s'avance. Je dis à dit tête nous. Je dis à nous qui comprendre que pays d'Haïti n'est pas un savant, n'est pas adoué un savant, n'est pas un savant. Mais dirigeants nous, moun nous, yo mettez Haïti ça, yo fait Haïti ça ton savant.
Yo mette Haïti ça. Yo fait Haïti ça ton nom savant. OK. OK. Et je dis hein, moi-même m'a dit que dans année académique 2024-2025 là, nouvelle année ça, autorité yo en prend de disposition fois pour toutes. Il y a des problèmes pour nous résoudre dans le système éducatif haïtien. On connaît changement total capital la pas jamais qu'a fait un seul coup. Yeah. On connaît changement. OK. Moi connaît changement total capital la pas jamais capable arriver fait un seul coup. Il pas jamais capable arriver fait un seul coup. Mais ça vous comprendre. Ça vous comprendre. C'est que faut que on côté commencer, faut que on volonté. OK. Faut que on volonté. Il faut que ça crée détermination vraiment. Et si je dis hein, quel que soit le conseil présidentiel qu'il a yo, quel que soit le map gouvernement, OK, OK, je dis hein, faut nous comprendre que OK. Si je dis à Kevin Sani dans niveau que nous y est là, c'est parce que nous t'ai pris chimé l'école. T'ai que chimé l'éducation que nous débran. OK. Nous t'ai pris chimé l'éducation. Nous t'ai pris chimé l'école. Nous avons pris l'éducation. Nous avons pris chimé l'école. Et rapidement, nous avons passé dans la liste de Simba Topem. OK? Rapidement, nous avons pris chimé l'école. Rapidement, nous avons passé dans la liste. OK? En pile nan nous t'es passé dans l'école nationale à lycée qui donc nous code réalité hein? OK nous code réalité hein? Ça veut dire jeudi hein ti moun sa yo Simon sa yo que qui sorti dans classe moyenne yo besoin plus encadrement yo besoin plus encadrement parce que c'est eux même qui pral remplacer nous demain si Dieu veut quel que soit tes président conseil quel que soit tes premier ministre quel que soit tes ministres directeur général sorti yon, gen nan yo, et au cabine remplacé demain si Dieu veut. Ça veut dire, fon mette ti moun sa yo, dans de bonnes conditions. Fon mette ti moun sa yo, dans de vraies positions. OK? Fon mette ti moun sa yo. OK? Faut mettre ti moun sa yo. Faut créer de conditions. Oui. Créer de conditions pour nous permettre que
quel que soit moun. Si moun faut li gagner chance pour aller à l'école. OK? Les questions sont à l'école. OK? Je dis un. Je dis un. Les que m'a regardé réalité pays d'Haïti, les que m'a regardé conditions que tout le monde va vivre. M'a regardé réalité, hein. M'a regardé situation, hein. Moi dit tête moi que est-ce que j'ai espoir pour Simon Zao? Est-ce que j'ai espoir pour jeunesse là? Est-ce que j'ai avenir qui assuré pour jeunesse là? Est-ce que j'ai espoir pour Simon yo? OK? Est-ce que j'ai espoir pour Simon yo? Est-ce que j'ai avenir pour jeunesse là? Parce que jusqu'à présent moi tout le monde qui là qui parle qui bail là yo. Oui. Tout le monde qui là, tout le monde qui barrait ça yo. Moi ouais que je dis hein. Moi que je dis hein. Que pays d'Haïti. M'pas dit non, même toujours goumen à parler du changement en l'autre Haïti. Même toujours parler pour parler dans l'autre Haïti. OK. Même douter très fort. Yeah. Moi doute très fort par rapport avec chaque jour qui passait, j'ai que réalité, hein, j'ai que situation lui-même a développé dans un pays. Kounya, on va regarder avec nous dossier bataille qui gagne. OK. OK. Entre KPTA et PM Gaye Kouni. Parce que je dis en là, les Stivol t'a dit ça depuis Nations Unies. Gé tête qui pral couper. Et nan tête qui pral couper, qui est-ce? Est-ce que c'est tête PM, non? Est-ce que c'est tête ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy? Est-ce que c'est tête représentant ambassadeur Haïti dans Nations Unies? Anthony Rodrigue, jusqu'à présent, ça a metté un gros bataille. Ça a metté un gros litige. Ça a metté un gros bouche-pagou. Hein? Ça a metté un gros bataille. Ça a metté un gros litige. Un gros bouche-pagou entre KPT, hein, Conseil présidentiel transition. Hein? OK? Conseil présidentiel transition et puis PM Gary Kouni. Bon, même dit gouvernement Kouni là. OK? C'est jeudi, hein? Yeah. Jeudi, hein? OK? Jeudi, hein? Je crois que. OK? Je dis, moi, que en pile moun, pas comprendre ça qui est là. En pile moun, pas essayer de comprendre ça qui est là, je dis, comme situation.
OK. Parce que moi, je vais minimiser ça. Je vais juste ignorer ça. Mais nous ne pouvons pas ça qui venir. Nous ne pouvons pas ça qui venir. Ça qui vient dans le bawel. Danger qui vient en face de bawel. Nous ne pouvons pas ça qui vient en face de nous. Bon, peut-être nous avons dit que nous avons intérêt, quel que soit ça qui vient, il n'y a pas déranger nous. OK? Nous avons dit que ça qui vient, il n'y a pas déranger nous. Il ne va faire nous ni chaud ni fret. OK? Nous avons dit pas déranger nous. Nous avons dit qu'il ne va faire nous ni chaud ni fret. Parce que nous avons déjà dit que quelque soit le te capété, quelque soit le te gariconi, une ou bien l'autre, nous te dit, c'est pas un rien de sérieux, il y a une église pour nous. Ah oui? 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 Nous avons dit que, c'est pas un rien. Il y a fini régler pour nous. Et d'ailleurs, depuis l'heure où tu as monté, il n'y a pas inspiré nous confiance. Yeah. Depuis l'heure où tu as monté, il n'y a pas inspiré nous confiance. OK? Il n'y a pas inspiré nous confiance. D'ailleurs, en pile voix télévée, oui, en pile voix télévée, puis je te dis que, ça fait conseil 7 têtes ça, 9 têtes, 7 têtes, dès que ça, il n'y a pas mené pays à aucun côté. D'ailleurs, comment on peut tomber d'accord que 9 inscrits soient partis, mais organisés à l'IA, il y a pas le 9 monde. 9 idéologies différentes et pour 9 moun sa yo pour que yo rete pour y a discuter pour yo a penser ensemble pour opinion yo pour l'idée yo pour aller dans même direction hein pour opinion yo oui pour l'idée yo pour aller dans même direction on nous comprend amdou là. Par contre, vous comprenez ça, nous là. Donc, je dis à fois comment on va aller bien. Ouais. Oui. Parce que en pile monde déjà, ouais. Depuis nos conseils municipal, magistrat 3 membres, yo kon déjà wè que moun sa ou pa 40 ans yo, koun ya ki dira koun ya pou ta genyen 9 moun ki pral tombe d'accord son bagay. Et pas oublier, chaque moun sa yo, y a cherché faire tête yo passer pour bon.